Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing tout de suite après le générique. Reprise de la vidéo, je vais pas la faire trop rapide, j'ai un putain de problème de batterie, ça m'a foutu, ça m'a stressé là, ça doit se ressentir. Vidéo unboxing, j'ai racheté une trousse de secours sur Amazon, je mettrai le lien dans la description. Trousse de secours qui est prévue pour mon gilet de combat, je suis en train de m'équiper et il me fallait une trousse de secours relativement complète. Qui dit gilet de combat dit combat, et qui dit combat dit sûrement blessure corporelle pour moi ou pour celui qui est en face. Dans tous les cas, il faut apporter les secours. Trousse de secours aussi qui sera prévue lors de mes randonnées. Et vous allez voir, j'ai acheté une belle trousse de secours. Bon, elle est énorme, hein, les amis. Hein. Je ne la voyais pas si énorme que ça. Je l'ai pris parce que. Elle est en attache molle. Regardez ça, j'ai mieux de le découper comme un connard. Elle est avec des attaches molles, hein, très près, bon, prévu pour le gilet tactique, enfin gilet de combat. Et elle est avec un scratch. Voilà. Poignée de portage normale. Ici, les passes en molle. Ici, une autre sangle. Je ne sais pas à quoi ça sert cette sangle. Et je l'ai pris parce que si elle est attachée sur le gilet de combat et que j'en ai besoin, eh ben, elle se dégrafe, les amis. Voilà. Bon, ça, il aurait pu le mettre droit, ces imbéciles. Voilà. Bah déjà, putain, très bonne qualité. Bon, j'ai payé 45 euros. Et... qu'est-ce que c'est ça? Une petite pochette, hein, où on peut foutre des merdes dedans. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ici, on peut reconditionner sa trousse. Une petite pochette là. Bon, voilà. Le packaging. Et l'intérieur, en fait, il est comme ça. Bon, premier abord, franchement, bien présenté. Ça. Alors, je vais sortir ce qu'il y a dedans. Hein, et... il y a non, des reins stérile pad, des lingettes, c'est des pansements. Voilà. Il y a une trousse, une couverture de survie. Il y a un garrot tourniquet. Il y a la bande auto-élastique, auto-agrippant. Ça, c'est très bien. Il y a des compresses à alcool. Bien sûr, elle sera modifiée, hein, cette trousse. Hein. Il y a un masque de protection pour le bouche à bouche. Hein, si vous embrassez pouilleux, il vaut mieux avoir ça. Il y a une compresse israélienne. Voilà, super. Il y a un sifflet. Toujours est-il. Il y a de quoi faire une attelle. Hein, c'est mi-alu et mi-mousse. Hein, après, vous le formez comme vous voulez. Ça s'adapte aux membres abîmés. Et il y a un putain de ciseaux pour couper tout ce qui est fringue et tout. Donc, on va remettre ça là-dedans. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour ça. Bien sûr, elle sera modifiée. Hein. Elle sera modifiée. Je vais rajouter des gants. Je vais rajouter une dose de désinfectant. Et voilà.
Mais je referai une vidéo quand elle sera reconditionnée à mon goût. Voilà. Deuxième partie de la vidéo, j'ai fini d'être tendu, j'ai été au repas des anciens combattants et j'ai remodifié un peu ma trousse, hein, sous réserve, hein, bien sûr. Allez, pour le fun, pour faire Michkono, mon insigne France pour l'instant, je pense que même je vais le défaire, hein, celui-là j'y tiens. Et je vais laisser avec le symbole international de la Croix-Rouge et mon groupe sanguin au positif. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer comment je l'ai reconditionné. Là, elle a été dépatchée du gilet de combat. Hein. Le but, c'est soit de transmettre la trousse ou de la poser par terre si on est blessé ou de porter les secours à quelqu'un d'autre. Hein. Pour beaucoup, beaucoup d'entre vous, il reste illogique de porter secours à une personne sur laquelle on a tiré dessus ou on était en danger. Mais moi, je pense que je le ferai. Si le mec n'est pas mort, je pense que j'apporterai les premiers secours. Un, parce que je suis secouriste. Deux, ça peut m'éviter 5 ans de moins. Aller à la douche, ben, je serais bien content au moins d'avoir apporté les premiers secours. Bon, j'entends déjà les commentaires qui vont me dire ouais, vas-y, vu tu es ta femme, violer tes gamins et tout. Après, chaque cas est différent. Donc, allez, ouverture de la trousse. Voilà, deux braguettes. Et à portée de main tout de suite, le garrot tourniquet, la compresse israélienne. Et à l'intérieur, il y a deux paires de gants. Une pour moi et une pour la personne à côté, ou deux pour moi. Hein, mais toujours prévoir deux paires de gants. Il y a le petit rouleau de bande auto-agrippante, auto-attachable, et une compresse. À l'intérieur, une couverture de survie. Voilà. Et ici, dans cette poche-là, le ciseau. Alors le ciseau, les amis, écoutez-moi le bruit. Hein. C'est pas la super qualité, mais au moins au moment T, ça fera peut-être nous servir. J'ai rajouté, je me suis fait un petit pack d'urgence avec des points de suture. C'était les strips là. Deux paquets de lingettes désinfectantes, quatre compresses et un bandage désinfecté, hein, le drap où on pose les outils désinfectés, ça peut toujours servir. Et ce système de plastique, je peux m'en servir pour faire un pansement occultif. Hein, blessure par balle, le trou dans les poumons, on fait un pansement qui sert de valve pour ceux qui connaissent. Dans la petite pochette devant, qui a l'air pas trop pratique, trois demi-doses de sérum physiologique, le bouche à bouche pour pouilleux. De l'eau oxygénée, les pansements et le petit paquet pas cher de serviettes alcoolisées. Voilà. Je pense que dans le moment T, dans l'instant T, c'est le minimum vital à avoir sur une trousse qui est prévue pour la randonnée à la base, mais qui peut être prévue aussi pour le combat, sur un gilet de combat. Il faut avoir un minimum vital. Je me répéterai à portée de main toujours le garrot tourniquet, la compresse. Ça doit être accessible tout de suite. Les paires de gants, hein, si vous n'avez pas de gants sur vous au moment où vous faites le garrot, vous mettez la compresse, c'est pas grave, mais il faut avoir des paires de gants. Et le ciseau, hein, si vous voulez découper le gilet, la veste, le t-shirt et tout le train-train, il faut toujours avoir à portée de main et connaître sa trousse. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que vous, c'est vous qui avez fait votre trousse, qu'est-ce que vous mettez dedans? Dans vos connaissances médicales, moi j'ai le brevet de secourir du travail,
Et j'ai suivi des formations spécifiques au combat. On va en Afghanistan, à un moment, il faut suivre le secourisme combat. Donc j'étais formé au secourisme combat et j'ai les bases. Hein? Donc voilà, petite vidéo rapide qui, j'espère, n'aura pas été trop longue. Je range vite fait dans le machin. Vous voyez, un accès simple. Il faut que ça reste tout simple, ça. Voilà, ça tâche. On referme le petit sifflet dedans. Mais c'est vrai qu'on est un peu épaisse quand même, hein, quand on regarde. Et ici, un petit velcro pour pas que ça s'ouvre. Voilà les amis. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me répète, n'hésitez pas à liker, disliker, partager et marquer des commentaires. Alors, je sais que je réponds pas souvent en message, mais à chaque fois que je mets un cœur, c'est que j'ai lu votre commentaire, les amis. Allez, fin de la vidéo. Comme je dis à chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Ciao, merci et à plus sur ma chaîne.